Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je pense pas qu'on soit très nombreux ce soir. Une heure de séance, il fait chaud. Sébastien, salut. Bonsoir Sandrine. J'espère que vous allez bien. Ça se trouve, vous allez me faire mentir. Johanna. Fidèle au poste, Johanna aussi. Bonsoir Sylvie, Clem Clem. Il y a tous les habituels. Hein. Christelle, bonsoir. Antoine, bonsoir. Rose, Rosa, bonsoir. D'ailleurs, je ne sais jamais si c'est Rose ou Rosa. Caroline, bonsoir. Antoine, bonsoir. Ici, bonsoir. On a Laura. On a Anna, on a Carole. Ben, merci à tous d'être là, c'est cool. Je pensais qu'on sera en plus petit comité ce soir parce que vacances oblige, parce que grosse chaleur oblige. Salut Karine, bonsoir Véronique, bonsoir Rosina. Mais a priori, non, vous êtes là, hein, c'est bien. Une heure de séance ce soir, on va y aller quand même plutôt cool parce qu'il fait chaud. On va essayer de faire en sorte de bien se rafraîchir, de bien s'hydrater. Si je me mets dans cet angle-là, je ne vous vois pas. Nadège, bonsoir. Il y a Elina, Stéphanie, coucou Stéphanie, Christelle, Laura. Allez, quelle heure il est? Il est 17h57, je suis un peu plus en avance qu'hier soir, je vais vous laisser vous préparer. Prenez quand même de quoi bien vous rafraîchir. Bouteille d'eau, n'hésitez pas à prendre deux bouteilles même d'avance. On fera des pauses régulières, si toutefois vous sentez qu'il fait trop chaud, n'attendez pas que je vous le dise. Hein. Bien évidemment, vous breakez avant moi. Vous faites un petit temps mort. Bonsoir Céline, bonsoir. Oui, ça fait longtemps Céline, c'est vrai. Vous n'avez pas vu passer Nadia, Anne-Marie, Maria, Céline. Je suis impressionné de voir votre régularité. Hein. Salut Jessica. Nadia également, bonsoir. Françoise, il est 17h58, j'ai deux petites minutes d'avance. Donc il nous reste deux cours d'une heure ce soir et mercredi. Et on finira vendredi par une séance booster. Alors, j'attends de voir la chaleur qui fera sur la fin de semaine. Si vraiment, 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 il fait trop chaud vendredi soir, on finira plutôt par un truc plutôt light ou stretch ou sophrologie. Ça dépendra effectivement de la chaleur. Et si on peut tenir l'objectif, on tiendra l'objectif, évidemment. Monsieur Stéphane Debré-Marx, ça me renvoie loin en arrière, ça. Allez, quelle heure il est? Il est 17h59, on est à quelques petites secondes de démarrer. Prévoyez un bon espace. On va bouger un tout petit peu, pas énormément, mais on va quand même bouger un peu. Rassurez-vous des options pour ceux qui ne peuvent pas bouger énormément. Tac, tac. Là, je suis vraiment stupéfait. 34 d'un côté, 33 de l'autre. Ça veut dire qu'on a encore à peu près 120. Moi qui pensais qu'on serait une cinquantaine. Alors certes, on est loin des 1600 du confinement, mais enfin quand même, 150 en cette période, c'est quand même plutôt balèze. Au moins, je parle. Allez, c'est bien. 18h, on y va. Notre check. Check. Et c'est parti. Allez, je vous demande de partir avec les jambes à l'écart. Vous prenez le temps de bien vous placer. Les abdominaux serrés, vous engagez bien le périnée. Et vous commencez simplement par faire des petits cercles d'épaule. Voilà. Prenez le temps de bien inspirer. Et expirez tranquillement, profondément. Sentir qu'on réveille bien les muscles. Ensuite, vous allez monter les bras devant. Vous allez monter les bras en inspirant comme si vous faisiez un joli V. Vous revenez avec les bras devant en expirant. Et inversement, le V inversé en bas en inspirant. Je souffle, j'inspire, je souffle et j'inspire. Allez, première consigne. Ne laissez pas le dos partir en arrière. Et ne remontez surtout pas vos épaules. Gardez bien vos épaules abaissées. On inspire. Et on prend le temps d'expirer. J'espère que vous êtes en grande forme. Ce soir, séance difficile, mais je vous dis, on adapte. Hein. Si vraiment vous sentez que c'est trop difficile, qu'on est flagada, qu'on n'a pas l'énergie, qu'il fait chaud, ne prenez pas de risques, ne vous mettez pas en danger. Optez pour des options un peu plus cool, un peu plus light. Et si vous avez besoin de breaker, vous breakez, pas un souci. Ce qui est important de le faire, c'est de le faire bien. Même si vous faites moins, mais que vous le faites bien, ça sera parfait. Ce n'est pas la peine d'aller au bout de la série si vous ne vous en sentez pas en capacité. Parfait. On revient ici, les bras au niveau de la poitrine. Rotation à droite, rotation à gauche. Essayez de sentir que vous tournez bien par la mise en tension de vos abdominaux.
Inspirer, souffler. Alors ce soir, les premières séquences, enfin, la première séquence, elle va se construire sur deux articulations. Encore une fois, le travail de force, mais avec du dynamisme. Travail petit, travail dynamique. Et tout de suite derrière, on enclenche un vrai travail dynamique. Donc on va essayer de jouer sur le relief des deux. Parfait, vous allongez le bras dans chaque diagonale. Imaginez que vous avez un peu de consistance sous la main lorsque le bras s'éloigne. Essayez de souffler sur 3 et d'inspirer sur 1. Je souffle, je souffle, je souffle et j'inspire. Inspirez. Essayez de vraiment sentir vos abdominaux qui s'engagent. Pas trop de vitesse. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. Qu'est-ce que je suis content de partager ces moments-là avec vous. C'est cool. Allez, la dernière. Parfait. Vous relâchez bien les bras. Vous montez les bras en haut. Vous descendez les deux bras sur le côté. Vous remontez, vous inspirez. Et la même chose de l'autre côté. Allez, c'est toujours un travail de rotation avec des angles différents. On fait encore 4. Allez, deux dernières. Très bien. Et la toute dernière. Une. Allez, vous rassemblez. On va se faire un exercice qu'on va utiliser tout à l'heure. Un pas en avant, vous montez le genou. Vous reculez deux pas en arrière. Puis de nouveau un pas en avant et genou qui vient. Donc ça fait genou, je recule et je prends genou. Ça vous rappelle quelque chose. Alors, vous pouvez le faire plus cool. Hein. C'est je pose le pied, je lève. Je marche, je pose le pied, je lève. Allez, ça déjà, si vous n'avez pas l'habitude, il faut le temps de vous familiariser avec. Donc, prenez le temps, vous pouvez placer aussi les mains au niveau des hanches. Ce que je vous demanderais par contre, c'est d'avoir une bonne conscience au niveau du corps, pas un dos relâché, pas un mouvement où je m'affaisse sur l'appui, non, bien placé, même si ça va plus lentement. Et si par contre vous êtes à l'aise, ce que je vous demanderais, c'est de descendre plus bas sur la jambe et travailler un peu plus sur le côté athlétique avec les bras. Allez, soufflez bien, à chacun son rythme. Donc celui-là, on s'en servira tout à l'heure sur les exercices de forme. Pardon. Apportez-vous bien dans la jambe, réfléchissez bien, tout en préservant un bon contrôle sur le haut du corps. Allez, les trois dernières. Parfait. La dernière. Ensuite, je vais vous demander de garder le pied droit devant votre pied droit et on attaque en repeaters. Donc le genou monte devant, soit les mains au niveau des hanches, soit les bras en course. Pas vite. Par contre, essayez de sentir que dès que le pied rentre en contact du sol, hop, ça crée une dynamique et le genou remonte. 10. 5. 4. 3. 2. On enchaîne avec le petit pas de côté et on expire. Je réfléchissais à ça, je me dis que c'est quand même la grande révolution hein, ce que l'on a fait ensemble. Faire des cours sans musique, ça n'est jamais arrivé en 15 ans, 20 ans de carrière. Dans mon séjour, tous les jours, ça ne m'est jamais arrivé à qui que ce soit. On a quand même révolutionné le concept du sport. Allez, deux fois, mais ça, c'est pas trop, hein. C'est pas la mienne. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Le pied gauche devant, hop, et c'est parti, genou qui monte. Allez, expirez bien. Il ne manquerait plus qu'on rajoute des paillettes et des cornes. Là, ça serait totalement exclusif. Allez, je souffle bien, 10. J'ai ça, ça peut être autre chose. Hein. 5, 4, 3, 2, on revient sur le petit pas à côté. Hop, on descend. Expirez. Soit vous placez les mains au niveau des hanches, soit là encore, vous laissez partir les bras en style de course. Allez. Ce qui est important, c'est que vous commencez à sentir que vous amortissez bien dans les jambes. Allez, 10 dernières. 5, 4, 3. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder les jambes à l'écart. Vous allez descendre ici, hop, un bras devant, un bras derrière. Vous descendez les bras en bas, vous montez, vous faites demi-tour et hop, vous redescendez avec les bras entre les jambes. Allez, j'inspire en haut et je souffle en bas. Inspirez, essoufflez. Essayez de travailler le dos droit. Il faut du temps dans la rotation. Essayez de ne pas précipiter, vous avez le temps. 6, 5, 4, 3, 2,
La dernière, parfait. Vous remontez, vous attaquez. Genou droit, genou gauche. Les bras descendent lorsque le genou s'élève. Si les bras gênent, vous faites la même chose, mais en gardant les bras au niveau des hanches. Et cette fois, vous vous concentrez sur l'élévation du genou. Par contre, pour tout le monde, le plan de la colonne vertébrale, l'engagement des transverses, la mise en tension du périnée. Et si vous pouvez, sans mettre les bras en dynamique, vous faire aussi un travail de style de course. Là encore, les bras fléchis devant, en croisant bras et jambes opposées. Ça, c'est important. Sinon, avec de la grande amplitude. Continuez un tout petit peu, mais écartez les pieds sur les côtés. Changez les amplitudes. Serrez les abdos. Les 10 dernières. 8, 6, 4, 2. Et la dernière, top, relax. Pareil, je vous invite à boire un peu. On s'hydrate. Vous allez partir avec les pieds parallèles. Vous prenez soin d'orienter un tout petit peu vos pointes de pied vers les extérieurs. Il y en a de moins en moins, mais si toutefois il y a des personnes qui démarrent ce soir, essayez de sentir qu'avec la trajectoire des fesses, vous allez viser comme si vous allez vous asseoir. D'accord ? Cherchez pas forcément à descendre trop bas. Par contre, bonne posture. Vous essayez de tenir votre dos. Il va être complètement relâché. Vous sentez l'engagement de vos abdos et vous venez dans cette position-là. Pour les autres deux, niveau 3, vous connaissez, un petit peu plus bas. On enclenche ici 10 petits mouvements. Alors pas vite, pas ça, parce que là je rebondis. Donc je ne travaille pas vraiment sur l'impact musculaire. Nous, on cherche vraiment l'engagement, la tonicité. Allez, 10, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soit vous n'avez pas beaucoup de place, vous faites un pas à droite, vous resserrez au milieu, un pas à gauche. Soit vous pouvez un peu et vous faites deux pas chassés, voire trois sur le côté, hop, et vous revenez. Vous avez vu, je suis parti d'un côté, c'est chaque carte de l'autre. Et même tour. Parfait, enchaînez bien. Restez bien dans les appuis. On en fait trois comme ça. Si vous en faites que deux, c'est absolument pas grave. Ça peut être deux. Et bon, et on reprend les trois. Trois petits en bas. Trois petits. Trois passages de 10 en bas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est reparti en déplacement. Go. Restez dans les cuisses. Hein. Faites l'effort de rester dans les jambes. Oxygénez-vous. Relâchez-vous. Encore un aller-retour. Le secret, c'est vraiment dans la respiration. Je me mets le profil une nouvelle fois. 10, on tient 1. Appuyez bien dans le sol. Sentez le périnée, le maintien du dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart par chassé. Hop. On va bien le sentir. Hein. Ce n'est pas le transfert qui nous fait mal. C'est de rester dans la flexion de jambe. Allez. N'évitez pas la douleur. Appréhendez-la différemment. Encore une fois. Parfait, le retour. Et là, vous avez le choix. Soit vous mouchez à la poule, soit vous remontez les genoux avec les bras, soit comme tout à l'heure, en tirant sur les bras. Allez, expirez. Je suis sûr qu'il y en a un de vous, un ou une, je ne sais pas, mais qui a passé un coup de fil à Oxo pour lui dire, pour que ça soit plus cool, pour que ça soit plus light, viens à 18h, 18h15 dans le cadre. C'est obligé. Il vient jamais, me voir. Mais précisément, quand je suis avec vous, il passe par là. C'est quand même un truc de fou. Hein, monsieur le chat. Allez, expirez bien. 10. Ça oublie ça aussi. Hein. Le sport dans le contexte familial, comme ça. Jamais je l'aurais imaginé non plus. C'est peut-être lui, la licorne, en fait. On sait pas. Dernière. Et on relâche. Parfait. On souffle. Récupérez 10 petites secondes. On va faire le travail en squat, on va faire le fameux travail de fente. On va partir avec le pied droit devant, votre pied droit avant. Vous le placez bien devant, on fléchit, donc là encore, je débute ce soir, pas trop bas. Niveau 2, un peu plus bas, niveau 3, on rentre seul. On contient bien le genou au-dessus du pied, le placement du buste, transverse périnée, c'est parti, 10 petits. Et encore, j'accélère par 3. Je sens que j'appuie dans le sol et je fais l'effort de monter et de descendre, et non pas de rebondir. Ça, c'est pas le même. Hein. Là, 7, 8, 9. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. Un pas en avant, genou, genou, je recule. La même chose. Hop. La version 3+, si vous pouvez le faire, faites en dynamique. Propulsion, pam, pam. Propulse, pam, pam. À vous de voir. 5.
Encore 4, 3, 2, parfait. On change de jambe. Allez, placez le pied gauche devant et c'est parti. 10. On revient droit devant. Neuf et 10, et c'est reparti. Le genou, pam, pam. Plus cool, c'est ça. Hein. C'est je marche, genou, je recule, je recule. Je marche, genou, recule, recule. Si vous commencez, vous n'êtes pas super à l'aise avec le mouvement, travaillez plutôt sur la capacité à vous familiariser avec le mouvement. Rendez-le propre. Et dans l'exécution, essayez d'avoir le bon placement, la bonne posture et sentez l'engagement des postures hauts et principalement des abdos. Allez, on change un petit peu. On revient avec le pied droit devant. On place les bras devant, on reste, on stabilise, on maintient. Maintenant, le pied arrière, il vient devant et on recule. Allez, 2, vous pouvez le faire plus loin, c'est un peu plus simple évidemment. 4, 5, 6, 7, 8, 9, la dernière, le courage, hop, et c'est reparti. Genoux ou propulsion ou en marchant. Allez, go. Gênez-vous. 6, 7, 8. Parfait, on switch, on change de jambe. Le placement, le genou au-dessus du pied, le genou arrière pied du sol. On choisit son amplitude, le maintien, les abdos, les dorsaux. Et go. Quand vous ramenez, ne faites pas en remontant. Choisissez votre niveau, mais restez-y. 4, 5. 6, allez, soyez fort, super fort, ce que vous m'avez donné jusque-là. 7, 8, jamais vous allez renoncer, pas une fois, et surtout pas pendant le confinement, c'est pas maintenant qu'on va relâcher. Hein. Hop, allez, tac. Alors, ça doit piquer un peu dans les jambes indirectement. Plus que l'impact physique, c'est que vous me démontrez à chaque séance, mentalement, la rigueur, la volonté, l'engagement, tout ce qui fait vos capacités, et ça, c'est top. On récupère. On en fait une dernière sur la fente. Je calme un petit peu le jeu, récupérer. Faites le petit pas à côté. Ça dans quelques temps, je ne dis pas qu'on enlèvera ces temps de récupération, mais là, il fait chaud. Piano, piano. Si vraiment vous ne sentez pas de faire l'enchaînement du troisième tout de suite, bref, vous faites un stop, vous allez voir. Vous récupérez le train, on vient de le faire. Donc là, c'est des petits plus. Ce n'est pas forcément une forme en soi. Allez. On se met en place, à la fois pied droit devant. On part d'ici, les bras plus ou moins devant et vers l'ombre. Vous allez imaginer que vous tractez deux cordes en tractant les cordes. Vous montez en poussant bien sur la jambe devant. Essayez de ne pas reculer, monter dans un plan vertical, mais pousser sur cette jambe-là. Allez, c'est parti, j'inspire et je tiens. Et là, sentez les abdos et le fessier et le périnée. La contraction. 4. On peut tenir un peu plus loin. 6. 7. 6. Néanmoins, si vous avez besoin, on est déjà à 10. Le break, il peut se faire maintenant. 15, ça peut être aussi un break. Appuyez bien sur la jambe de devant. 17. 18. 19. Et ça repartit, genou. Oh, propulsion. Tac. Tout avec moi. La capacité au niveau des appuis, c'est plus la même. Hein. Les jambes, elles doivent flageoler là. T'avais pas, tombez pas dans la précipitation. Allez, juste que je suis fier de vous. Fier de tout ce qu'on a fait, de tout ce que l'on fait encore. On inspire. On se place. Je fais le contrôle. Genou, genou arrière, buste, en avant, abdos, périnée. Hop, et c'est parti. 1. Poussez bien. C'est les 2-3 derniers centimètres là où je pousse que ça compte. 6. C'est 10. Vous avez le droit de vous arrêter, les amis. Enfin, vous avez déjà le droit de vous arrêter avant ça. Allez, rappelez-vous. On fait équipe. C'est notre équipe. C'est cette volonté collective là, qui nous emmène à aller loin ensemble. 4 fois. 3 fois. Fois et chacun pour soi là-dedans en essayant d'avoir la bonne technique. Hop. Énergie collective, la technique individuelle.
jusqu'au bout, gardez de la qualité, même si ça ne répond pas de la même façon au niveau des appuis, même si vous sentez que vous êtes sur des œufs, du contrôle, c'est vous qui décidez, c'est votre contrôle à vous. Check, et check. On continue, on descend un peu. Épongez-vous. Pour ceux qui ont fait la séance hier soir, il y a peut-être aussi l'accumulation un peu dans les jambes, hein, donc ça se ressent aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez un peu d'air. Alors pour ma part, je pense que le duo est fait. Je ne parle pas forcément d'intensité, parce que des fois, on peut faire des choses peut-être un peu plus rythmées, un peu plus intenses, mais ce n'est pas pour autant que c'est plus dur. Le travail de force, il prend l'énergie. Ce qu'on vient de faire, c'était dur. Allez, je vous laisse respirer. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, restez en actif. Revenez avec moi. C'est comme si on était à l'arrêt. Hein. Sauf qu'on réactive un peu les champs respiratoires et on crée le mouvement en même temps. Pendant ce temps-là, ce n'est pas anodin. Ouverture de la cage thoracique. Maintenant, dos en bonne posture. Tout de suite, reprise de conscience sur le transverse, sur le périnée. Par contre, on optimise bien le relâchement des bras. Allez. C'est tous ces détails-là qui comptent. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas bon, mais c'est ça qui fait un bon coaching. C'est en ça que vous allez vraiment progresser. Le détail. Allez. On revient. Vous partez avec les jambes à l'écart. Même principe. Genoux, point de pied tourné vers l'extérieur. On descend bien. Donc, niveau 1 ici. Niveau 2 plus bas. Niveau 3 encore plus bas. Les bras devant. C'est reparti pour 10 go. 1. On va tester beaucoup plus les intérieurs de cuisse. Sentez que vous appuyez sur le sol. Encore pas ça. Encore une fois, pardon. Pas ça. Mais vraiment, je sens que j'appuie. Allez, 4. 5. 6. 7. Alors, de par la position, on peut insister un peu. Hein. Si toutefois, ce n'est pas possible, 10, c'est très bien. Et là, je vais vous donner 3 options. Option débutant. Top. Vous faites du dégagé en restant dans les jambes. Juste ça. Option, je veux de la force. Je descends et je travaille sur de l'amplitude. Vous continuez le travail de force, mais en donnant de l'amplitude. Niveau 2 ou 2 plus, ou 2 ou 3, pardon, vous faites du jack. Allez. On va rythmer un peu plus sur l'intensité cardio. Alors, j'ai mis les bras, ça peut être sans les bras aussi. Si vous avez mal aux épaules, ça peut être avec les bras là. À vous de choisir. 5, 4, 3. On se retrouve tous. Allez, go. C'est reparti. Devant, c'est là dont on parle de changement des mains, cardio, renforcement musculaire et l'appui dans le sol. Faites en sorte de ralentir votre geste, ralentissez-le. Allez, le timing, le tempo, il est là. 1, 2, 3, il y a un impact musculaire. 4, 5, 6, 7, il en reste 3. Dernière, et c'est parti, les jacks. Allez, go. On continue sans. Amortissez bien sur 2000 points de pied et finissez en déposant le talon dans le sol. Ça, c'est pour les tendons d'Achille. Et si c'est trop sensible ou douloureux, dans ce cas-là, on est là, il faut avoir un petit sursaut ici. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernière. Hop, on se replace et c'est parti. Go. Allez, bon. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Pour moi, c'est beaucoup plus facile que la séquence précédente. Montez un petit peu plus peut-être dans les amplitudes. Hein. Appuyez bien dans les jambes. Allez, le check sur le transverse, le check sur le périnée. 10, 9, 8. Appuyez sur les pieds. Faites l'effort de travailler par la puissance et les appuyer dans le sol et non pas que par les cuisses. 5, 4, 3, 2. Repoussez la terre avec les jambes. Hop, et c'est parti. En fait, mes petits voisins ne sont pas là, donc allez, encore 10. Chapeau à ceux qui font un travail de force, hein, parce que continuer par mon travail en amplitude, c'est chaud là. 3, 2, 1, je récupère. Vous arrêtez pas brusquement, soit on simule la corde à sauter, soit ici. Allez, soufflez. Expirez bien. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Il va nous rester la dernière séquence pour ceux qui le souhaitent.
Oxygénez-vous longtemps, longuement. Sur des petites de 10, hein. On revient ici. Avant de le faire, je vous invite à faire 3 respirations. Allez, c'est vous conditionné. Il y a l'impact que l'on ressent. Il y a ce que l'on gère. Il y a ce que l'on peut aller chercher. Allez, plutôt dans la troisième phase. Évidemment, sans prendre de risque, hein, parce qu'encore une fois, il fait chaud. On y va. On descend bien. Choisissez votre amplitude. 10 petits pieds parallèles. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On alterne droite-gauche. Fente droite en arrière. Fente gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Préservez un pied droit. 9. Encore une. Vous revenez jambes à l'écart. On tient. Allez, go. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter là. Appuyez bien dans le sol. Vous allez sentir vite la différence de toute façon. Si vous le faites, là, je rebondis avec les cuisses. Et là, j'appuie dans le sol. Vous, vous n'avez rien vu. Moi, je le ressens. C'est la même chose pour vous. Hein. 3, 2, 1 et jack. Hop. Allez, on enchaîne. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça pour récupérer. Si vous sentez que vous avez la capacité de... Allez, je compte sur vous, les amis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. Je vous propose de le faire encore 2 fois. Okay. Ou une fois. Donc, si ça va paraître trop dur, vous la squeezez et vous faites la troisième. Vous prenez le temps de récupérer et vous nous rejoignez. Allez, go. J'appuie dans le sol, j'appuie dans le sol, j'appuie dans le sol. Je suis enraciné et c'est moi qui développe ma puissance. Go, fente. Oxygénez-vous. Il n'y a que 2 choses qui doivent fonctionner là. C'est plus les cuisses, c'est la respiration et le mental. Les clés, elles sont là. Le corps va suivre. Ok, la toile, on revient. Écarté. Allez, go. Allez, faites l'effort. Courage. Même si c'est facile à dire. Focus. Mental. Mental. Mon contrôle. My mind. Et on revient. Go. Allez, soufflez. Votre capacité à décider. Votre capacité à contrôler. Votre capacité à piloter. Facile? Non, jamais rien n'est facile. La vie n'est pas facile. Rien ne vous sera donné. Rien ne sera donné. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Et pourquoi on se retrouve là? On partage les mêmes intentions, les mêmes valeurs. On remet souvent en avance. Moi, j'ai choisi, je crois que vous avez choisi aussi. Hein. Allez, oxygénez-vous, marchez sur le côté. Ce qu'on fait un break. Revenez avec nous. Si vous sentez que c'est moyen, que ce n'est pas le jour, trop chaud, trop dur. Moi, j'ai un peu d'air. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Ça se trouve, vous n'avez pas d'air du tout. Stop. Arrêtez-vous. Par pitié, ne prenez pas de danger. Si vous sentez que c'est juste la motivation qui est là, faites un peu de moyen, faites un peu d'effort. Donnez-moi que 4, 4 de chaque exercice. Mais si c'est une question de volonté, faites-le. Mais ça, je ne crois pas. Je crois que vous êtes là. Je crois que vous êtes au rendez-vous. Donc, soit vous êtes cuit, break, soit vous avez la capacité bien mieux. Allez, même chose, mes 3 respirations. Encore 2. On sait qu'on va avoir mal, on sait qu'elle est dure. C'est la dernière. Inspirez. Et c'est reparti. Go, 10. Allez, on est là ensemble, on se serre les coudes. On y va. 7, 8, 9, on enclenche derrière. Essayez de vous convaincre qu'il est plus facile que la séquence précédente. Vous allez l'appréhender différemment. 5, ça passe tout seul, les amis. 6, regardez, déjà 7. 8, je suis fier de l'équipe, je suis fier de cette équipe. Hop, ça revient de face. Et go. On a eu la bonne récupération, je pense. Hein. Appuyez bien dans le sol, trichez pas. Remettez-en une couche. Allez, je vous regarde, on se regarde, on se la fait cette promesse de ne pas lâcher. 4, 3, ouais, ça fait mal. 2, 1, et c'est reparti. Go, on l'a fait, on l'a fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxygénez-vous, gérez votre exercice jusqu'au bout, de la meilleure des façons.
Vous êtes ma fierté. 17, 18, 19. Et on relâche. Marchez, marchez, marchez. Check, check. Je suis fier de vous, les amis. Et je vois qu'on est quand même... C'est quand même le sport de la soirée. Quand même. 148 d'un côté et 65 sur YouTube. On a passé le cap des 200. Franchement. Allez, prends ça à souffler. Ça s'est entendu, mais je pense que c'était belle. Prends ça à souffler. Oh là 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 là. Je sais pas si c'est moi qui suis seul, qui suis complètement barré, mais on est peut-être un peu 200, mais on est 200 volontaires. 200 guerriers là. Si je vous avais raconté l'anecdote, plus jeune, quand je cherchais à m'entraîner avec des potes, et j'aimais personne. Hein. Ouais, il pleut, ouais, il fait froid, laisse tomber, il y a la console et tout. Et aujourd'hui, on est combien? On est minimum 200, sans compter tous ceux qui le font en replay. Ça va, on peut parler de collectif. Je vous laisse reprendre le petit pas à côté, on va attaquer sur le haut du corps. Allez, relâchez bien les bras, soufflez. On a laissé un peu de trace là, dans les jambes. C'est de sentir que ça a bossé, mais au-delà du ressenti que vous avez travaillé ici, là, comment vous l'avez obtenu, comment vous l'avez engagé, comment vous avez contrôlé ce mouvement jusqu'au bout et surtout, vous ne l'avez pas lâché. Et ça, c'est la plus grande fierté. Allez, on attaque. Travaille sur le haut du corps. Ouvrez la cage thoracique, placez les bras devant. On va travailler sur trois axes. Devant. Devant à 45 degrés et plus ou moins à la verticale. Je dis plus ou moins parce que je ne vais pas demander d'être vraiment à la verticale. Là, je suis à la verticale. Vous allez garder juste un petit peu les bras devant. Par contre, épaule abaissée, check au niveau de la posture, engagement au niveau du transverse. Prêt, on inspire, bras écartés, on rapproche devant, on souffle, on ouvre, on remonte, on expire, on ouvre, on inspire, et on monte, on expire. Et on refait le cheminement inverse. 45 degrés et devant à l'horizontale. Allez. C'est assez simple. Après, ça va se jouer dans la durée. Dès que vous commencez à sentir que ça chauffe, vous ne baissez pas les bras. Je suis pour rien. C'était l'expression toute faite. Par contre, vous essayez de tenir un peu. Et vraiment, dès que vous sentez que vous n'avez plus du tout la capacité de. Alors à ce moment-là, oui, vous avez le droit de relâcher. Les amis, ceux qui ont mal au dos ou aux épaules, pardon. Vous partez d'ici, vous faites cet exercice-là. Et puis vous alternez. Vous en faites 10 comme ça. Et puis vous en faites 10 comme ça. Et vous reprenez 10 comme ça, ce qui vous permettra de solliciter un peu moins les épaules. Allez. Et au pire, pour ceux qui ne pourraient plus faire le travail en l'air, passez sur la version plus cool, celle de ceux qui auraient éventuellement mal aux épaules. Mais que ça ne soit pas un échappatoire, par contre. Ne le faites pas juste comme ça pour le faire. Faites-le si vous n'avez pas d'autres possibilités pour dire je renonce pas. D'accord ? Mais que ça ne soit pas un prétexte ou une facilité, si vous le pouvez. Allez. On termine celui-ci, on en fait encore 3. 3 quatre complets. Encore 2. Le dernier comme ça. Je me mets bien le profil. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous baissez les bras. Sinon, vous allez partir d'ici, on va faire un arc de cercle. Je me mets bien le profil, vous allez partir avec les bras vers le haut, vers l'arrière. Le bras va revenir légèrement vers l'avant. Vous allez descendre, vous faites une courbe. Et vous repartez avec les bras vers l'arrière, mais plus vers le bas. On remonte de la courbe et on remonte vers le haut. Allez, c'est parti. J'inspire. Et je souffle. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Ça fait 4. 5. Allez, pas vite, hein. Surtout pas vite. Allez, accrochez-vous. Premier palier. Pour ceux qui ne peuvent pas poursuivre, vous arrêtez là. Là, si vraiment vous ne pouvez pas aller au-delà, vous pouvez breaker, vous arrêtez là. Sinon, on poursuit un peu. 15 ou 20 pour les meilleurs. Alors, ce n'est pas une histoire de compète. Hein. Ce n'est pas je suis meilleur, je vais jusqu'à 20. C'est selon vos capacités. Si vous avez suffisamment d'endurance pour prolonger jusqu'à 20
Évidemment, on ne va pas s'arrêter avant. C'est uniquement dans ce sens-là que je le dis. Allez, 15. 10, déjà, on a fait le boulot. Allez, 16. 17. 18. Alors, je me mets de deux façons. Encore une fois, vous allez descendre tous les bras. Là, je vous invite tous à nous rejoindre. Vous écartez. Vous êtes en position, ce qu'on appelle la position anatomique. Vous écartez bien, bien, bien les bras. Vous relâchez les doigts, vous relâchez les mains. Vous partez avec les mains au niveau des hanches. Pec, poitrine en avant, abdos transverses engagés. Vous déportez les bras vers l'arrière, mais par l'engagement de vos muscles posturaux. Pas parce que vous faites ça avec vos bras, mais parce que par les dorsaux, vous faites un travail de traction qui déploie les bras vers l'arrière. Et on décompresse, on relâche, on souffle. Allez, c'est enchaîné. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. La suite, vous allez mettre les mains en demi-pronation. C'est-à-dire que les mains viennent se poser comme si elles regardaient les cuisses. Même travail. Ça va, c'est presque la récup, ça. 4. Par contre, n'accélérez pas. À aucun moment, ne donnez de vitesse à votre geste. Que de la force de contraction. C'est de soigner la bonne posture. Parfait. La dernière, on se met en pronation. C'est-à-dire que les paumes de main sont tournées vers l'arrière. Même travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez les bras deux petites secondes. Séquence hard qui vient. Option, beaucoup d'options. Soit vous ne vous sentez pas de la faire parce que c'est une série de pompes, mais pompes difficiles. Vous ne vous sentez pas de la faire, vous avez le droit de faire un break et vous arrêtez là. Soit vous les transformez en gainage, vous faites gainage bras tendus ou gainage sur les avant-bras. Soit vous tentez de la faire, trois options. À quatre pattes, option 1, vous pliez les bras, vous remontez. Option genou, éloigné. Option 2, option hard, jambes tendues et bras tendus. Et étape la première fois. Donc on y va, on part en statique 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On enclenche chaque petit mouvement. 2, 3, 4, 5. On reste 5 secondes statique. 1, 2, 3, 4, 5. Petit mouvement. 1, 2, 3, 4. Allez, maintenant on est dans le challenge. On fait ça encore deux fois si vous pouvez. 3, 4, 5. Ou alors vous arrêtez à l'issue de celle-ci. 2, 3, 4, 5. On reste 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et si vous pouvez, on enclenche pour 10. Allez, go, amplitude max. 2, 3, 4. Ça peut être 5. Hein. Tout ce que vous me donnez, je le prends. Si c'est des 3, c'est des 3. La dernière. Et top match. Qu'est-ce qu'alors ? On break. On souffle. On check. On ne peut plus porter la bouteille. On récupère. Prends mes codes. On reprend. En place. Oxygénez-vous. C'est là. Hein. C'est là qu'il faut être fort. Parce que là, déjà, on aura le bol. Hein. Are you ready? 3, 2, 1, c'est reparti, les bras devant, go. 1, 45 degrés, truc de fou. Oh, je croyais qu'on avait fini, moi. Allez, soufflez. Il y en a qui croyaient déjà être à la chips et à la merguez. Hein. Bah non, pas tout de suite. Allez, expirez. Oxygénez-vous. Encore une fois, sentez déjà le corps qui se construit. Il y a la difficulté. On sent la contrainte. C'est hard, c'est chaud, c'est tout ce que vous voulez. Et vous êtes toujours là. Et vous êtes toujours au rendez-vous. Même si vous faites un break. Oh, j'en ai marre. Tiens, j'ai un break. Allez, hop, je repars. C'est pas grave. On y est. Mais par contre, c'est vous et votre engagement. C'est ça qui m'importe. Allez. Quand même un peu plus le temps de poser les choses que nos boosters. J'aime bien le booster, j'aime beaucoup. Il est très focus, donc c'est très bien. Mais par contre, qu'est-ce que ça passe vite. Allez, trois fois. Je m'oxygène. Le corps, il va vous donner l'illusion de subir les choses là. Non, ici, si vous le décidez, bien sûr, vous allez ressentir. Mais c'est aussi comme ça que vous allez contourner la contrainte. Allez, c'est parti, l'arc de cercle. À
Après, apprenez à gérer la tension. Si vous sentez que vous avez une tension aiguë, un truc que vous ne pouvez même plus porter, évidemment, vous ne forcez pas. Vous faites un break, vous récupérez. Seulement si vous pouvez, seulement. C'est selon votre capacité. Si vous n'avez pas toutes les capacités ce soir, à force d'entraînement, ça va monter. On va repousser le seuil de fatigue. Si ce n'est pas pour ce soir, break, ce n'est pas grave. Allez, 5, 4. Le physique, je m'en moque. Je ne parle pas du physique esthétique, hein. Je parle du physique. Ce que vous avez, c'est bien. Moi, c'est votre volonté, ce que vous êtes capable de me donner. C'est ça qui m'importe. Tap, un pied devant. On refait le même travail que tout à l'heure, sauf que cette fois, vous allez partir incliné en avant. Choisissez une jambe. En cours de route, vous avez le droit de changer. C'est absolument pas grave. Parfait. On attaque. Paume de main tournée vers l'arrière. Et les petits mouvements. Allez. N'accélérez pas le mouvement. Engagez les dorsaux, mais n'accélérez pas. Demi-pronation. Ici, les mains sur les cuisses. Hop, et c'est parti. On y est, hein. On y est dans le travail. 7, 8, 9, 10. On tourne, paume de main tournée vers l'avant. Hop. Alors, si le sens n'était pas le même, c'est absolument pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on tourne. On varie les amplitudes, les rotations. 4, 3, 2, 1. On récupère. On s'oxygène. Je vous laisse un petit peu plus de temps à la récup. N'hésitez pas à étirer les bras au passage. Soufflez, vous pouvez mettre un bras dans la tête. On doit sentir les bras, c'est en kilos, hein. C'est lourd. Hein. Alors on y va, encore une fois, phase de gainage, bras tendus sur les avant-bras, pompe à quatre pattes, pompe sur les genoux, pompe tendue, 5 en isométrie, c'est-à-dire 5 statiques, 5 dynamiques, 4 fois, si vous ne pouvez pas, ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 1, c'est à l'autre chose. Ça peut être aussi avec un break au milieu et on reprend ensuite. Allez, placez-vous bien, inspirez, conditionnez-vous mentalement. Et c'est parti, go, 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 4 et 5, je reste, 3, 4, 5, 2, 3, pareil, n'accélérez pas, hein. Stop, 1, 2, 3, 4, 5, dynamique, 1, 2, 3, vous avez le contrôle, top, dernière, 1, 2, 3, 4, 5, dynamique, 3, 4 et amplitude max si vous pouvez, go. Deux fois. Et la dernière, on relâche. Aïe, 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 aïe. Je suis fier de vous. Allez, récupère. On se prend un moment. Je vais se redescendre un tout petit peu au niveau cardio. Pareil, n'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti, comment vous avez ressenti les exercices. Si c'était hard, si vous avez tout fait, si vous étiez trop facile, si vous avez dû rallonger. Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je m'entraîne encore un peu. Allez, soufflez. Vous êtes là, vous êtes avec le même répondant à chaque séance, alors que c'est dur. C'est top, 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 top. On va récupérer un peu sur les abdos pour commencer une première série des abdos. On passera sur les fessiers. Ça fait longtemps qu'on les a pas taquinés, les fessiers. Allez, mettez les mains dans la tête. Allongez-vous bien. Cool, hein, séance tranquille là. C'est histoire de récupérer un peu sur le haut du corps. Vous allez bien stabiliser les pieds dans le sol. Vous écartez les pieds à peu près à la largeur de votre bassin. Le menton décollé. Ce que je vous demandais, c'est juste de décoller un peu les épaules pour la mise en tension. Pensez déjà à sentir le transverse qui s'engage comme si vous mettiez une grosse gaine en place, le périnée. Et maintenant, ce que je vous demandais, c'est pas de monter les épaules, c'est de forcer l'expiration. Et durant l'expiration, vous allez forcément intervenir au niveau des tractions. Là. Vous allez sentir que le geste se raccourcit en montant avec les épaules. C'est parti, j'inspire, je souffle. C'est ça qui provoque le raccourcissement. Et vous restez. Deuxième. Je l'ai fait fuir autour.
Troisième. Une fois que vous êtes là, vous restez. Vous soutenez bien votre tête. Dans le même principe, vous allez créer un mouvement dynamique. Mais essayez de ne pas le faire avec rebond. Essayez de ne pas engager vos épaules. Essayez de travailler par des à-coups au niveau de la respiration. Si vous êtes suffisamment haut, si vous avez tracté comme il le faut, si vous préservez un bon plan de traction verticale et non pas vers l'avant, le travail va se faire à chaque expiration. 3, 2, 1, on reste. Oh, c'est bien, sentez bien le ventre qui se durcit, ça se gaine, ça se met en place. Hop, c'est parti, 10. 7, 8, 9, on reste. On tient, on inspire. Encore. 5, 6, 7, 8, 9. Et pour le coup, vous enchaînez 2 fois 10 en travaillant sur les amplitudes. Un peu comme on a fini sur les pompes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soufflez bien. Oh, vous ne sentez pas. Vous ne sentez pas, ça sent les fessiers qui s'avancent là. Quand je ne sentais pas les fessiers, de façon de parler, hein, c'était pour dire vous ne sentez pas les fessiers qui arrivent. Qui vont... Ok, j'arrête, je m'enfonce tout seul là. 5, 4, 3. J'espère que vous n'avez pas perdu en qualité dans vos abdos. La dernière, et là on relâche. Cool. Tout ça pour dire que les abdos que l'on vient de faire, ce n'était pas vraiment les abdos. On les fera à la fin. On va se placer sur le côté gauche, s'il vous plaît. Alors, vous avez bien plié la jambe de sol, ça c'est important. Ce que je ne peux pas corriger auprès de vous, c'est la posture au niveau de votre bassin. En cours d'exercice, vous vraiment vous sentez que le bassin ne part pas en arrière. Vous êtes bien placé, le bassin stable. À partir de là, on va plier la jambe de sol. Vous allez lever la jambe supérieure. Vous cherchez l'alignement cheville, genou, hanche, épaule. Tout ça, c'est dans un même plan. Et une fois que vous êtes là, vous montez la jambe en soufflant et on freine la détente. Allez, c'est parti. Vous posez la question de comment on doit se positionner le pied. Peu importe, le pied, il est relax, hein. 4, 5, 6, 7, on va s'arrêter à 10, c'est un truc de fou. Top, on s'arrête. Trop facile. Maintenant, vous allez faire le même travail, mais vous allez rapprocher le genou vers la poitrine. Donc, vous descendez sur un plan oblique. Même chose, 10. Allez, soufflez quand la jambe s'éloigne. J'inspire et je souffle. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Essayez de bien vous familiariser hein, parce que vous ne voyez pas, mais on est en train de construire un enchaînement. Genou fléchis poitrine. On réajuste peut-être un peu la jambe au sol et on vient faire un kick devant perpendiculaire. Imaginez que vous avez un gros ballon, vous chutez dans le ballon. Par contre, n'allez pas en extension complète au niveau de la jambe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, on bloque devant perpendiculaire, stop, levier de traction, on monte en remontant, on souffle, pardon. Allez, c'est parti, je lève et j'expire. 3, 4, là c'est moins sympa, hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous ramenez, jambes fléchies, hop, les cercles. On part en arrière. Parfait. On part ici à l'extension de jambe. Maintenant, on mélange les quatre mouvements à la suite. Élévation, flexion, kick, élévation. Et on revient au point de départ. Et on redescend. Hop. 1, 2, 3, 4. Et un arc de cercle qui nous ramène au point de départ. Hop. Ça monte. Flex, kick, élévation. Ça fait 3. Ça fait 4. Allez, 5. Sixième, 1, 2, 3 et 4. Septième, 8e, 9e, 10e, allez, soufflez. Parfait, revenez avec les jambes fléchies, on reprend à nouveau. On
Alors, je ne donne pas d'option là-dessus parce que c'est quand même assez cool. Si vous sentez que c'est trop dur et vous ne pouvez pas continuer, vous vous arrêtez là. Si vous pouvez, on refait une séquence de 10. Allez, c'est reparti. 1. 2. 3. N'oubliez pas de souffler. Hein. N'oubliez pas les abdos non plus. Je ne sais pas votre périnée. Allez, gardez le bassin en avance. 5e. 6e. Travaillez les fesses. N'accélérez pas. Sentez que vous êtes sur les bons leviers de force. L'arc là de fin. L'arc de cercle, il n'est pas anodin celui-là. Travaillez bien sur les amplitudes, sur la mobilité, la fameuse mobilité. Allez, vous m'en donnez encore 2. Piou, on est content que ça arrive à la fin du voyage. Hein. Et on ramène. Parfait, revenez sur le dos, attrapez les genoux. Là, vous n'avez pas la même sensation entre les deux fesses. Hein. Hop, hop, hop. Parfait, je vous invite à reposer les pieds sur le sol. On revient avec les épaules. On monte, on expire. Soufflez. Et je souffle, je prends le temps de souffler durant 10 secondes et durant 10 secondes, je tracte le vélo. C'est parti. On inspire. On remonte. On reste. On expire. Parfait, vous y êtes. À aucun moment, vous cherchez le mouvement qui va accélérer le mouvement, enfin le geste. Vous êtes juste sur un mouvement déclenché par une libération. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. Inspirez. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste. Top. Encore une fois, la dernière. C'est reparti pour 10. 2, 3, 4, privilégiez vraiment l'expiration. 6, 7, 8, 9, on met les pieds bien stables, tête en arrière, inspirez, 2 fois 10 en amplitude. Essayez de ne pas avoir de pression viscérale. Misez sur l'expiration, le galbe du transverse, la montée de trajectoire verticale. 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reprend l'inspiration. Et on reprend. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, bah, je crois que j'ai rien oublié pour ce soir. Je crois qu'on a tout fait. Je crois qu'on a plus qu'à se mettre debout et se souhaiter une bonne soirée. À moins que il manque une fesse. Je crois que c'est bien la réalité, malheureusement. Allez, on est parti. De toute façon, on n'aurait pas été très très loin. Il suffisait de se mettre debout pour essayer de partir et prendre la fuite. Vous auriez vite parti par terre. Allez, on est parti. On attaque. On recherche les manches, cheville, genou, hanche, épaule. Vous serrez les abdos périnés. C'est parti, on monte, on souffle. Allez, 2, 3, 4, 5. Je dis ça, mais en même temps, j'y ai pensé. Hein. Je me suis dit, j'ai peut-être... Et ben c'est le truc, feinté, mais je sentais que j'avais pas la capacité de m'évader. Stop, on stabilise, genou poitrine, on descend sur un plan oblique. 1, 2, 3, 4, rebondissez pas avant, 5, 6, 7. Ah, quand on est là, on est bien en fait, hein, si ça passe tout seul, c'est cool. Quand est-ce qu'on commence les fessiers, quoi? Parfait, le kick dans un ballon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, ça se trouve, sans terre, je suis peut-être le seul à avoir mal en fait. 9 et 10 élévations, c'est parti, ça monte. J'ai toujours mis un doute de toute façon sur ma veste. Je me suis toujours dit qu'elle avait été de travers. Et ça, c'est une histoire perso, je ne vous en parle pas, hein, je ne vais pas vous encombrer de mes affaires. Mais... 7, 8, 9, et 10, on ramène et on fait des petits cercles. Allez, serrez bien les abdos, oxygénez-vous.
Quand vous êtes prêt, on fixe la jambe de sol et c'est parti. On attaque l'enchaînement. 1, flex, kick. 3, élévation. Et 1, 2 cercles, je reviens. Bon, ça remonte. 1. Ça fait 2. Début de la troisième. Quatrième. Cinq. La sixième. 7, 8, elle fait bien le travail de levier, 9, écourtez pas le geste, allez vraiment chercher l'alignement, dernière, j'ai un peu raté ça, on ramène et on reprend les cercles, là vous travaillez la fesse dans son intégralité, hein. Allez, c'est parti, on se replace. Dernière série de 10. Si vous le pouvez, oxygénez-vous et détachez-vous. C'est une autre capacité, ça, mentale. De ne pas ressentir la contrainte, mais essayer de la contourner, là. En faire abstraction. Troisième. Quatrième. Cinquième. Allez, voilà, se persuader que c'est facile. Sixième. Donc oui, c'est facile en fait. Sept. C'est même pas compté le prof. Huit. Il n'arrête pas de me bouger, mais c'est tout à l'heure. Allez, deux fois. Dernière. Et dix. Good. Allez, attrapez une nouvelle fois les genoux. Les fessiers, c'est fait. On récupère tranquillement. Cache pas, j'en ai une autre à vous faire faire pour les fessiers, mais comment je vais faire les abdos absolument. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de la glisser. Alors, à partir de là, vous allez descendre les deux genoux sur la droite. Parfait. Ceux qui démarrent ce soir, ou si ça devenait trop dur, vous avez la tête de sol, vous allez partir avec la jambe relevée sur le côté. Donc, les deux genoux sont sur le côté, vous levez juste la jambe supérieure. Les épaules restent dans l'axe. Vous allez poser votre main sur le dessus de votre genou et vous allez essayer d'appuyer avec votre main, votre jambe va résister. Continuité du travail des fessiers, une tension au niveau des abdos. Allez, c'est parti, j'appuie. Au niveau 2, niveau 3, c'est le même. Vous placez les paumes de main face à face, vous appuyez ici et vous restez. Parfait, à partir de là, vous laissez le genou descendre et quand le genou remonte, créez une petite résistance. 1, 2, donc si j'ai la tête au sol, c'est la même chose. Hein. Le genou monte, vous créez une petite résistance ou un frein avec la main sur le genou. 4, 5, 6, fixez bien la jambe au sol, 7, 8, 9, parfait. Maintenant, vous allez tous monter dans la position de départ ici, même les débutants. Vous exercez une pression ici avec les mains sur la jambe. Au signal, vous placez les mains dans la tête et vous stabilisez pour soulever le cou. Et vous remettez la main sur la cuisse, vous appuyez, vous restez. Pour les autres, c'est je déploie les bras en arrière, je lève les épaules. Et je reviens, je crée la pression sur le genou. Allez, c'est parti. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Inspire bien. Parfait. Si ça tire de trop sur les cervicales, n'hésitez pas à revenir sur l'option un peu plus cool. L'option plus cool, elle est là. C'est ici. Et les mains dans la tête pour soulager les cervicales. Allez, il en reste deux. Dernière. Parfait. Vous descendez les deux genoux. Vous allez placer les mains sous la tête. Vous montez, vous montez, vous montez. Et là, effectivement, dans une trajectoire verticale. Encore une fois, en misant sur l'expiration. Petit mouvement là-haut. Allez, deux. Ne lancez pas, pas ça. Par le moment qui rebondit. Vous soufflez, vous accompagnez le geste vers le haut. 5, 6, 7, 8. Parfait, 18, 19. Et non, je vous invite à revenir sur le dos. Ce que je vous invite à faire cette fois, ça va être de monter les genoux, écarter les jambes. Vous partez main droite à l'extérieur, le bras gauche à l'intérieur des jambes.
vous montez les deux bras, ça vient vers l'arrière et vous passez de l'autre côté. On passe à chaque fois par l'arrière, à droite, en arrière, à gauche. D'accord ? Si vous ne pouvez pas le faire, vous mettez les mains dans la tête, vous montez vers le haut en soufflant, vous redescendez sans toucher le sol. On souffle et on descend en inspiration. Si c'est trop dur avec les jambes qui sont fatiguées, vous avez le droit aussi de le faire avec les jambes sur le sol. Allez, go. Par contre, les bras vont vers l'avant. N'oubliez pas que la trajectoire de vos épaules, elle est verticale. 6, 7, 8, 9 et 10. Pour tout le monde, les mains dans la tête. Petit mouvement là-haut, tout petit, en privilégiant l'expiration. Inspirez. On part pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va faire le même travail. Les deux bras à l'extérieur des genoux. Ça passe en arrière, ça revient sur l'intérieur des genoux. Hop. Tombez pas dans le piège de la direction des bras. Les bras vont vers l'avant. Votre ligne d'épaule va vers le ciel. 5, 6. Parfait, main dans la tête, petit là-haut, 1, 2, 3, 4, soufflez bien, 5, 6, 7, 8, 9, inspirez, repartez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, très bien, vous descendez les genoux de l'autre côté. Alors, je vais mettre de l'autre côté, hop, vous pliez la jambe de sol. Soit vous partez au sol, main sous la tête, pardon, vous stabilisez la main sur le genou, vous restez en position, vous appuyez, vous exercez la pression, soit vous levez et vous stabilisez bien. Sentez la mise en tension des obliques, on tient. Expirez tranquillement. Maintenant, vous descendez le genou et quand il remonte, vous créez un frein avec la main. Allez, soufflez. Tiens, vous pouvez placer maintenant sur la tête pour soulager. 5, 6, 7. Vous devez bien sentir les abdos qui travaillent. 8, 9. Parfait. Soit vous reprenez l'option facile. Ici, on continue la pression sur le genou. Vous soulagez les mains dans la tête. Soit vous partez de là, on dégage les bras vers l'arrière, on inspire, on revient, on exerce une pression sur le genou. Allez, 1, 2, vous en avez peut-être pas, on est à la fin de la séance, ça fait une heure, c'est plus long que les boosters, c'est sûr. Gardez encore un peu la concentration, misez sur la technique jusqu'au bout. Si vous sentez que ça tire de trop sur les cervicales, tournez la tête à droite et à gauche en cours de route, ça va vous soulager un peu. Encore deux. Parfait. Vous descendez les deux genoux l'un sur l'autre. Main dans la tête. On tient. Et c'est parti. Traction vers le ciel. On stabilise. On inspire. On partait pour 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, parfait, remontez une nouvelle fois sur le dos. On remonte les jambes si vous pouvez. Si vous sentez que c'est trop dur pour ce soir, on a fait une super belle séance, vous avez le droit de vous arrêter là. On stabilise, on repart à nouveau, les mains de part et d'autre du genou droit, on déplace vers l'arrière et on remonte à gauche. Allez. Il y en a encore 4. L'option plus facile, c'est les mains dans la tête, sous la tête, dans une trajectoire verticale. Parfait. On revient tous, mains sous la tête, petit là-haut. Cherchez à bien expirer longtemps, longuement. Inspirez. Soufflez encore. 1, 2, 3, 4. Allez, on est presque. Hein. Il n'y a plus rien à faire, on déroule. 4, 3, 2. Les bras à l'extérieur des jambes. Si vous pouvez, on déporte vers l'arrière, on revient sur l'intérieur.
Allez, ça fait 8. On fait encore 2. Les mains dans la tête. On remonte 2 fois 10 et on a fini. 1, 2, 3, 4. N'accélérez pas par contre. C'est pas parce qu'on est au bout qu'on doit essayer de précipiter. Gardez du contrôle. N'oubliez pas votre périnée. Stop. Inspirez. Montez, montez. Rappelez-vous que le mouvement se crée par l'expiration. Restez focus là-dessus. 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Allez, soufflez, attrapez genou droit sur la poitrine, tendez la jambe gauche et relâchez vos épaules. Un grand, grand, grand bravo à tous. Une heure avec la chaleur, plus avec l'engagement des séquences. Chapeau à tous. Une salle de France où j'ai pas laissé un chat comme ça à la fin d'un cours. C'est quand même unique, hein. Parfait, changez de jambe. Vous, de votre côté, vous avez juste à être fier. Fier d'avoir été là, fier d'avoir été au rendez-vous, d'avoir bossé comme il le fallait. Encore plus de sang. Je suis très content. Alors, ce que je vous demande, c'est de venir mettre tranquillement sur les genoux. Si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, je donne une option plus cool. Ici, vous asseyez, vous mettez le bras sur le côté et vous vous inclinez avec le bras au-dessus de la tête. Ça, c'est si je ne peux pas être sur les genoux. Option sur les genoux, vous allez mettre en pose de l'enfant. Si vous avez mal au dos, si vous avez le dos sensible, tirez-vous. Et si vous ne pouvez pas faire l'exercice qui vient, qui est un exercice, alors qui est un double exercice en fait, c'est un exercice pour étirer les abdos. Et selon McKenzie, c'est un exercice qui permet vraiment de travailler les courbures du dos. C'est un très très bon, c'est un très bon mouvement, mais si vous avez le sensible, à ne pas faire. Vous allez partir d'ici et vous allez tranquillement relever la poitrine en avant. À ne pas faire si vous avez le sensible. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, parce que je vous dis, il y a un kiné qui s'appelle McKenzie qui travaille beaucoup sur ses courbures pour redonner justement de la souplesse articulaire et soulager les tensions au niveau du dos. Après, je ne suis pas auprès de vous, je ne suis pas thérapeute non plus, donc je ne peux pas vous dire de le faire les yeux fermés. Donc, si vous ne vous sentez pas de le faire, restez plutôt sur la pose de l'enfant ou l'exercice précédent pour vous étirer. Alors, si vous n'avez aucun problème de dos, stabilisez bien, sentez que le bassin reste ancré dans le sol, levez la poitrine devant en inspirant et vous allez sentir l'étirement des abdominaux. Parfait, revenez sur la pose de l'enfant. Revenez, inspirez. Essayez de sentir l'étirement et essayez de couper les tensions résistantes. Et ramenez. Allez, on va mettre une dernière fois sur la pose de l'enfant. Vous rassemblez, soit vous restez sur les fesses, soit vous revenez sur les genoux. Je ne peux pas venir sans faire le petit travail de respiration. Soit vous mettez les bras au niveau des hanches, soit vous laissez les bras en bas, soit vous mettez les mains dans la tête, vous inspirez, oxygénez-vous. Et laissez-vous gagner juste par la pensée positive. Toute l'énergie que vous avez mis là, ça doit vous apporter de la fierté. Parfait, on va essouffler. On va les souffler. Une dernière fois, inspirez. Étirez, étirez, étirez. Et relâchez. Je me répète, vous m'avez fait très plaisir ce soir. Merci à tous. Merci pour votre travail. On se retrouve non pas demain, mais mercredi, l'avant-dernière. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Et à très vite. Salut tout le monde.